Hello les amis, bienvenue sur la mécanique selon boule. Ça fait un moment que j'ai pas eu le temps de poser de vidéo. J'en suis désolé. Donc aujourd'hui j'en profite, j'ai un petit entretien sur une 1.4 HDI. Je sais que vous êtes assez friands de ces vidéos-là. Donc ici c'est un C3, C3 1.4 HDI. Donc l'entretien complet avec tous les filtres. Je reviens aussi pour pendant mon absence de ces 15 jours, c'est que j'ai eu beaucoup de taf. Je suis même déçu parce qu'il y avait des vidéos à faire, j'ai eu des embrayages, j'ai eu des pannes à des recherches de pannes. Mais vu le temps extérieur et vu le manque de temps que j'avais pour filmer et tout ça, j'ai pas pu le faire et je suis deg. Donc c'est pour ça que j'essaie de me remettre un petit peu dans les vidéos. Donc aujourd'hui, on fait cet entretien. Sans plus attendre, on lève le véhicule, on démonte le carter inférieur de protection et on se retrouve pour la vidange. Donc À voilà, tout de suite. nous nous retrouvons en dessous du véhicule. Donc moi j'ai eu de la chance. C'est que le carter d'huile, enfin le carter de protection, ben, n'y était pas. Donc j'ai déjà pas ça à démonter, c'est déjà un gain de temps. Bon, c'est vrai que c'est plus embêtant pour le véhicule si l'absence de carter fait en sorte que quand vous roulez dans les nappes d'eau, dans la boue, tout ça, ben tout se projette sur le moteur par-dessous et surtout sur les organes électriques. Donc ça peut être l'alternateur, le groupe clim ou même les courroies. Donc tout ce qui est galet, tout ça, on prend plein la figure, quoi. Donc l'idéal c'est de remettre quand même un carter de protection. Mais bon, le problème aussi avec les carters de protection, c'est quand il y a une fuite d'huile, bon, on s'en rend pas compte tout de suite. Donc c'est vraiment. Il y a du pour et du contre. Mais sachez que pour tout ce qui est équipement, galet tendeur, alternateur, tout ça, c'est mieux d'avoir son carter de protection. Bon, ici rien de compliqué, une clé de 21. 21, ouais, je prends un 2. Hop, une clé de 21. On desserre le bouchon. Mon petit chiffon, donc on a bien notre petit bac de réception. Hop, et c'est parti. Donc pour ici, il faudra un joint de bouchon de diamètre 10. Hein, c'est un joint plat. Donc c'est pas un joint qui s'écrase, c'est un petit joint plat. Je vous montrerai après. Bon, sachez aussi pour ceux qui changent les bouchons de vidange, bah, rien ne vous empêche de les changer quand vous faites la vidange. Mais moi en général, bah, je le change quand la tête de vis est abîmée ou vraiment quand le filetage on voit qu'il a été trop serré. Bon là c'est pas le cas, donc je ne changerai pas le bouchon. Voilà. Donc on va laisser couler l'huile. On en a pour un petit moment. On va repasser au-dessus pour le remplacement des filtres, comme d'habitude. A tout de suite. Donc nous voici revenus au-dessus. Donc en premier temps, je vais enlever la jauge à huile, toujours pareil pour créer un petit appel d'air pour que l'huile coule mieux. Donc sachez aussi que j'ai laissé tourner le véhicule plus de 10 minutes pour que l'huile soit bien fluide et que pour la vidange ça soit beaucoup plus liquide et du coup ça coule plus vite. Bon, vous aussi ici vous aurez normalement un cache de protection qui ici n'est plus là, donc vous aurez sûrement ce cache là à retirer. Bon, moi c'est pas le cas. J'ouvre un petit peu le bouchon aussi, mais je le laisse dessus pour éviter d'avoir des corps étrangers qui tombent dedans. Et on passe au démontage du filtre à air. Donc trois vis Torx. Oh, rien de compliqué. Vous pouvez voir, je crois qu'on voit bien sur la vidéo, il y a de quoi faire. Donc je vais brancher l'aspirateur et puis on va aspirer tout ça. Bon, c'est un peu bruyant, mais comme là l'entrée du débitmètre elle est à la poussière, je préfère l'aspirer plutôt que la souffler. On va retirer le filtre à gasoil. Alors, je ne sais pas si vous voyez sur la vidéo. Hop. Voilà, il se trouve ici. Donc ça, c'est notre filtre à gasoil. Donc on a de la place. Mais bon, moi j'aime bien beaucoup avoir plus de place et parfois jeter un coup d'œil. Donc c'est pour ça que je voulais démonter la boîte à air. Mais bon, je vais rester simple. Donc après, on va démonter le filtre à gasoil. Donc je vais commencer à préparer tout ça. Donc pour ce faire, on doit avoir accès à la petite vis sur le côté. Donc on va commencer par démonter la petite vis qui est ici sur le côté. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà.
Ensuite, on va désagrafer le tuyau là. Toujours pareil avec la petite vis. Et normalement, ça devrait venir. Alors, je vais voir quand même si en démontant le cache de batterie, si j'aurais pas un peu plus de facilité. Voilà. Pour m'enlever ma petite vis. Peut-être pas avec cette ça, mais je pense que si j'utilise mes grands tournevis, ça devrait fonctionner plutôt bien. Article 22, tout le monde se démerde comme il peut. Voilà, comme ça, ça a été plus vite. Bon, ensuite, il suffit de pincer les tuyaux. Donc, tu ne vas pas être évident. Je vais poser le téléphone. Alors, de chaque côté, on retire. Après, vous retirez le tuyau dessus. Faites un quart de tour avec le filtre à gasoil pour récupérer un peu de mou. Pas beaucoup de place. Voilà. Il y a des modèles qui ont une fiche pour le niveau d'eau. Enfin, le niveau d'eau dans le filtre. Voilà, à débrancher. On nous retrouvons avec le filtre à gasoil. Donc voilà. Alors assurez-vous que vous ayez le même filtre à gasoil, que vous avez bien la sonde de... J'essaie de vous faire voir la sonde ici, elle soit pareille sur l'autre. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer... on va rien récupérer du coup. Ah bah c'est la vis, on a la vis à récupérer ici. J'ai déjà dit dans mes vidéos, hein, je répète parce que c'est vraiment le truc du moment, on ne jette pas ça dans la poubelle. Il y a des centres de recyclage qui vous récupèrent les filtres, le filtre à huile et le filtre à gasoil, donc dans vos déchetteries les plus proches, et vous pourrez en même temps faire recycler votre huile usagée. Voilà. Donc on se retrouve là-bas. Donc j'ai fait tourner la caméra. Donc voilà. C'est notre petit filtre. Ensuite, on va brancher notre petit capteur. Donc, je vais remettre en tuyau. Clic. Et ensuite, on va repositionner le filtre. Voilà. Je crois que l'idéal ici c'est un petit cliquet avec un petit embout. C'est vraiment le top. Alors, je ne rebranche pas tout de suite le tuyau parce que je vais vous faire voir. J'ai une technique à moi. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui attendent la vidéo que je dois faire là-dessus. Je vais la faire très bientôt parce qu'il y a plein de petites choses que je dois vous faire voir. Et vraiment, c'est vraiment... C'est vraiment top comme petit outillage que j'ai fait. Hop. Donc voilà. Hop, on va remettre tout de suite le support du tuyau. Voilà. Donc je vais chercher mon système de purge et je vous reprends après. Donc voilà, je vous montre vite fait mon petit système de purge des filtres à gasoil et tout ça, enfin pour réamorcer les systèmes de filtres à gasoil sur certains modèles. Donc c'est un bidon, une pompe électrique, différents raccords, donc je vous ferai voir. Parce qu'elle a plusieurs utilités cette pompe là. Elle peut aussi bien, remplir le filtre à gasoil
plutôt que se servir de la poire ici, parce que la poire, moi, je ne suis pas fiable des 1 litre 4, en général, ça crée des prises d'air après, donc je n'utilise jamais. Donc moi, je purge comme ça. Ou alors, si vous avez une petite poire en caoutchouc, je vous ferai voir après. Vous pouvez utiliser ça aussi. Et si en dernier recours, vous n'avez rien d'autre, bon, bah, faudra utiliser la pompette d'origine. Mais bon, je ne suis pas fan, moi, sur ça. Donc, ce système-là, bah, vous sert à mettre en pression le filtre à gasoil. Ou sur les Audi qui normalement, faut amorcer avec le démarreur, bah, vous pouvez, en manipulant ou en déplaçant les tuyaux, bon, ça, je vous ferai la démonstration, bah, vous pouvez remplir votre filtre à gasoil. Donc, c'est-à-dire que vous utilisez les réserves de gasoil que vous avez là, donc du gasoil propre, que vous injectez dans le filtre à gasoil que vous venez de remplacer, et il vous reste plus qu'à démarrer. Ça, c'est pour tout ce qui est Audi ou tout ce qu'il faut amorcer avec le démarreur en général. Après, un autre système que vous pouvez utiliser aussi avec cette pompe-là, c'est-à-dire que si vous avez votre pompe de gavage qui est dans le réservoir ou qui est immergée, qui ne fonctionne plus, et que votre véhicule tombe en panne ou le véhicule que vous dépannez, bah, vous pouvez vous en servir comme nourrice. C'est-à-dire que vous remplissez de gasoil, vous branchez le tuyau avec le retour qui va dans le bidon, et vous pourrez déplacer votre véhicule ou même rouler ou enfin déplacer le véhicule ou même mettre en route le véhicule pour contrôler si c'est bien votre pompe de gavage qui est HS ou autre truc. Ce qui m'a été utile aussi, c'est-à-dire que la personne s'était trompée, elle avait mis de l'essence à la place du gasoil. Bah, tout de suite, ce que j'ai fait, j'ai débranché les tuyaux à l'arrivée du véhicule, j'ai branché ma nourrice, j'ai déplacé le véhicule jusqu'à l'atelier. Et seulement après, j'ai vidangé le réservoir. A été bloqué devant la pompe à essence, donc du coup, j'ai pu ramener le véhicule chez moi. Mais ça, je vous ferai une vidéo spécialement là-dessus. Hein. Donc voilà. Donc sinon, j'ai plusieurs embouts que j'ai préparés. Donc je viens les mettre sur le système d'origine. Clic. Donc voilà. Donc le fait que je vais mettre en route ma pompe, ben ça va aspirer le gasoil du réservoir, ça va le faire passer dans le filtre et votre filtre sera rempli. Et moi, ça le rejette dans mon bidon. Et suivant l'utilisation de la pompe, ben vous pouvez faire un rejet ou une aspiration. Donc c'est une vieille pompe que j'ai récupérée sur une Safrane. Donc elle est capricieuse, hein. C'est faut taper dessus pour que ça fonctionne. Donc il vous suffit juste après de mettre les deux filtres sur la borne, le plus et le moins. La pompe va se mettre à aspirer. Donc comme vous voyez, j'ai un tuyau transparent qui va me dire quand le gasoil y passe. Quand le gasoil y passe, c'est que le filtre à gasoil est plein. Ouais, je crois que la pompe tourne à l'envers. Ah non, je crois qu'elle tourne à l'envers, mais non, c'est le temps que le gasoil y arrive. Donc voilà, je sais pas si vous voyez bien sur la vidéo. Donc le gasoil arrive dans la pompe, il repasse là, donc c'est que le filtre à gasoil est rempli. Il vous reste plus qu'après à dépressuriser, tout en laissant la pompe continuer et brancher votre tuyau d'origine. Voilà. Donc là, je vais couper la pompe, j'ai posé la caméra et j'ai branché mon tuyau. Voilà, et clic. Donc voilà, le filtre à gasoil est ramorcé. Donc si vous avez pas, je sais que c'est parce qu'il y a des personnes qui me l'ont demandé. Donc mais si vous n'avez pas ça, ben il vous faudra, je dois le débarrasser. Voilà, ça sur le côté. Il vous faudra amorcer. Donc c'est d'aller rebrancher votre tuyau et pomper sur cette petite poire là. Jusqu'à quand le circuit de gasoil est en pression. Voilà. Donc je vais vous montrer une autre astuce aussi, qui coûte beaucoup moins cher. Je vais la chercher, je vous montre ça. Donc voilà, sinon on a le système là, ça a été mon premier prototype, on va dire. Donc vous venez mettre votre tuyau ici, et vous pompez dans un... Bah, vous mettez ça dans un récipient, hein, et vous pompez jusqu'au moment que le gasoil y sort. Et là, vous aurez rempli votre filtre à gasoil. Et je vous dis, comme dernière solution, il vous reste la pompe d'amorçage d'origine. Voilà, donc comme maintenant notre filtre à gasoil est remplacé et qui a été purgé, nous allons remettre notre filtre à air. Donc après avoir, bien sûr, nettoyé soigneusement. Voilà, on va mettre le couvercle.
Voilà, pendant ce temps-là, toujours d'autres huiles qui coulent tranquillement. Hein. Vraiment rien de compliqué sur ce modèle-là. Voilà, vous assurez bien que vous avez bien rentré par derrière l'écran dans leur logement. Vous avez trois crans, vous venez rentrer les tiges dedans et vous basculez. Voilà. Voilà, filtre à air fini. Donc nous avons fait le filtre à gasoil et le filtre à air. Lui, il est toujours en train de couler. Nous allons nous attaquer pendant ce temps-là au filtre à huile. Donc le filtre à huile qui se trouve ici. Donc on va bien retirer notre durite d'air. Donc j'avais commencé déjà à démonter tout à l'heure. On va tirer ça. On enlève. Je ne sais pas si ça vient tout seul ou pas. Ouais. Voilà. Et voilà. On va mettre un peu de chiffon pour le trou d'huile qui va couler. Même si c'est sur le moteur là, je pense pas que ça ferait une différence. Voilà. Une clé de 27. Et on débloque. Notre petite gamelle de réception. On essaie d'égoutter un petit peu. On relève, hop, on verse. Bon bah, je pense qu'il y a déjà du vécu le filtre à huile là. Il ne reste plus qu'à nettoyer. On va remettre le nouveau. Voilà, voilà. Bon, on se retrouve à l'établi pour le remplacement du filtre par le nouveau. Voilà, hop. On va se mettre à retirer l'ancien. Voilà. Nettoyer un peu le corps du filetage. Retirer l'ancien joint. Moi, c'est un filtre où j'ai la tutude, faut que je vais le mettre dans l'emplacement, c'est du méca filter. Donc ça va aller dans le compartiment moteur, je vais vous faire voir où, si un jour vous avez ce modèle là. Et puis voilà, on se retrouve sur le véhicule. Enfin non, ça j'ai oublié de remboîter le nouveau joint. Donc là, à ce moment là, le trou il sera vers l'extérieur du filtre. Voilà. Donc maintenant on se retrouve sur le véhicule. Donc si un jour vous avez ce montage là, pas de panique, vous allez mettre la tutude dans il y a un tout petit trou qui correspond à la tutude, vous le mettez dedans. Ensuite bah, vous positionnez le trou qu'il y a dans le filtre à huile au niveau de la tutude. Vous rentrez et voilà, il ne vous reste plus qu'à visser. En ce qui concerne, si vous faites le coupe de serrage à la clé dynamométrique, il vous faudra du 2,5 je crois là-dessus. Ouais, 2,5 ou 25. Enfin, c'est 25 Nm. Ouais, 25 Nm. Mais bon, je le fais à la clé. Voilà, je suis contre, je remets un petit peu, hop, un petit coup, voilà, et on n'y touche plus. Un petit coup de nettoyage, voilà, c'est terminé. Il ne reste plus qu'à replacer notre petit tuyau d'air. Hop,
On va remettre nos petits caches que j'ai enlevé tout à l'heure. Voilà, je vais remettre aussi ma vis qui maintient le tuyau d'air. Voilà, peut-être un petit coup quand même. Mais bon, c'est pas forcé rien, il n'y a pas besoin de forcer fort parce que c'est du plastique. Là, on va remettre le petit cache. Voilà. Ça, à la même occasion, bah, vous vérifiez vos cosses, hein. Ça c'est toujours un petit plus. Termine par notre petit cache. Voilà. Alors nous avons fini tout ce qui est filtration. Donc on va faire la mise en route. Enfin non, on va finir d'abord. On va d'abord finir. On va d'abord finir de faire la vidange. Donc l'huile est encore en train de couler. On se retrouvera en dessous pour le remplacement du joint de cuivre et puis le serrage du bouchon. Il ne nous restera plus qu'à ce moment-là, après la mise à niveau de l'huile et puis la réinitialisation du compteur. Je vous ferai voir en même temps sur la vidéo. Je ne vais pas faire une vidéo à part pour ça, je vais le faire en même temps. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour des petits trucs. Bon, toujours pareil, hein, je vais vous faire avec vous les différents niveaux. Donc, liquide de frein à vérifier. Bon là le niveau, je verrai quand il sera par terre, hein. C'est pareil les niveaux, faites-les quand le véhicule est par terre, là je suis encore sur les rampes. Mais à savoir que bah, vous devez être au maxi, si le niveau y arrive au mini, c'est que vos plaquettes sont usées. Hein, il n'y a pas de demi-mesure, du fait s'il n'y a pas de fuite, bah, c'est un circuit fermé. Donc si le niveau baisse fortement, c'est que les pistons sont fort sortis, donc du coup les plaquettes doivent être usées. À moins d'avoir une fuite hydraulique, de liquide de frein, mais ça c'est encore à ce moment-là plus inquiétant. Voilà, pour ça c'est l'huile. Ici sur la gauche vous avez le lave-glace, le liquide de refroidissement. Et ici il n'y aura rien d'autre. Il n'y a pas de direction assistée ni rien. Bon voilà. Donc on se retrouve tout de suite en dessous pour finir la vidange. Donc sachez aussi si vous avez l'utilité pour le filtre d'habitat qui se trouve ici. Donc c'est l'avant. Donc la partie avant droit quand on est au volant. Donc ici à gauche quand on est face au moteur. Il y a le compartiment du filtre d'habitacle, donc trois vis Torx, non même pas, c'est du cruci, donc trois vis cruciformes, vous les démontez, vous enlevez la cassette, pareil, un petit coup d'aspirateur ou de soufflette et vous remettez la nouvelle. Voilà, moi j'ai pas à le faire, donc, j'ai pas à le faire, mon propriétaire m'a pas dit de le faire, donc je ne le fais pas, voilà. Donc voilà, nous retrouvons en dessous, bon ça goûte corps, mais bon, je pense que ça va être bon. Donc nouveau joint, petit coup de nettoyant frein sur le bouchon. Donc ici c'est un joint de vidange plat de 1,10 m. Voilà. Notre petite clé 21 qui va bien. Voilà, je mets contre et un quart de tour. Voilà. Le nettoyeur frein pour faire joli. Voilà, c'est la partie du moteur qui sera la plus propre. Voilà, donc voilà, c'est terminé, on se retrouve au-dessus, je vais déposer le véhicule, on se retrouve au-dessus pour la mise à niveau de l'huile. A tout de suite. Donc voilà, nous voici au-dessus du véhicule. Donc vous avez sûrement le carter d'huile moteur à remettre, le carter de protection par-dessous à remettre avant de baisser le véhicule. Bon, moi, comme j'en avais pas, j'ai gagné du temps. Là, j'utilise une 530 C3. Mais bon, j'aurais vu les kilomètres du moteur, j'aurais pu mettre une 540. Bon, sachez que si vous dépassez pas les 200 000, je pense que vous pouvez rester sur de la 530. Mais au-delà de 200 000, on peut partir en 540. Voilà. Donc, on va partir sur une base de 4,5 litres.
et on fera le point après la mise en route et le repos du véhicule. On va faire un premier tirage de jauge à huile. Bon, il faudra que j'en rajoute, mais il est déjà bien rempli. Je crois que ça doit faire un moment que la vidange n'avait pas été faite dessus. J'en profite pour regarder mes niveaux. C'est bon. Donc on se retrouve dans l'habitacle pour la remise en route et puis la mise à zéro du compteur. Donc voilà, on se retrouve dans l'habitacle. On va laisser tourner au ralenti. N'accélérez pas trop vite tout de suite, comme ça s'il reste un peu de gasoil et un peu d'air, bon bah vous risquez d'avoir des ratés, mais elle va reprendre le régime. Tandis que si vous accélérez à fond tout de suite, vous allez vider le peu qui reste dans les tuyaux, et le temps que le restant arrive, bon bah vous risquez d'être peut-être à devoir les repomper. Bon, voilà, bon, moi ça va, c'est nickel. Voilà, alors tant qu'on y est, je vais vous faire voir la remise à zéro. Donc chez Peugeot, Citroën, rien de compliqué, hein. Donc ici, enfin, j'ai essayé de ne pas mettre trop ma main devant. Ici vous avez la remise à zéro. Alors je ne sais pas encore comment j'ai fait mon compte. On vous reste à appuyer dessus. Donc vous appuyez dessus, vous mettez le contact. Et à l'opposé, j'essaie de vous faire voir, il y a un compte à rebours qui se fait jusqu'à zéro. Une fois qu'il y a zéro, vous lâchez. Voilà, zéro, vous coupez, vous remettez, et vous avez la plus 20, plus 30 000, tiens, c'est tous les 30 000, donc plus 30 000 km. Donc vous appuyez, vous, ici, sur la remise à zéro journalière, vous restez appuyé, vous mettez le contact, il y a un compte à rebours qui va se faire ici, à cet endroit-là, 10, 9, 8, 7, 6, et ainsi de suite, jusqu'à zéro, et vous aurez remis à zéro le compteur. Voilà, si ça démarre pas, je vais vous faire voir, en imaginant que vous avez... Vous revenez ici et vous appuyez sur la poire jusqu'au moment où vous allez voir ici le gasoil revenir par le tuyau de retour. Donc le tuyau vert, c'est le tuyau de retour. Donc tant que vous n'avez pas du gasoil jusque là, vous pompez. Voilà. Donc je laisse poser le véhicule pour que l'huile redescende et on fait la pointe. Donc je vais faire la mise à point, il m'en manque un petit peu. Voilà. Au moins 4,5. Encore un petit chouïa. Voilà, c'est parfait. Moi, le niveau est bon. J'ai terminé. Bon, bah c'est vrai que c'est pas fort agréable de faire un entretien sur un moteur aussi crade. Mais bon. Ouais, pas de nom. Bon, voilà, on se retrouve tout de suite pour le débriefing. Donc voilà, bah, l'entretien du C3 1 litre 4 HDI est terminé. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'essaierai de mettre dans le descriptif ce que j'ai utilisé. J'essaierai de vous trouver des références aussi que vous pouvez utiliser pour trouver vos filtres. Qu'est-ce que je pourrais encore mettre d'autre? Enfin, j'essaierai de vous mettre des liens dans le descriptif. Allez faire un petit tour, vous verrez s'il y a des trucs qui peuvent vous intéresser. Que dire d'autre? N'hésitez pas à partager ma chaîne sur... je parle pour les abonnés qui sont déjà là. Donc n'hésitez pas à partager la chaîne sur vos réseaux sociaux, par les entours de vous. Faites-moi exploser ce compteur de pouces. N'hésitez pas à dialoguer avec moi dans les commentaires et je vous réponds. Et puis à très bientôt pour une prochaine vidéo.